Salut à tous et à toutes, c'est Psycho17, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les gars. Aujourd'hui, TOTS opening avec deux TOTS garantis qui vont tomber dans notre équipe. Et justement, avec ces TOTS là, on va faire une équipe avec tous les TOTS qu'on a packés depuis le début. Voilà, on va s'obliger à faire une équipe avec ça et aller faire la qualif Foot Champion pour le fun. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un maximum de likes si vous kiffez ce genre de concept. N'hésitez pas aussi à vous abonner, on est bientôt à 900 000 les potes. Donc aidez-moi à atteindre ce palier. Allez, une bonne fois pour toutes là, un petit bum sur cette vidéo. Toi t'es pas abonné, bam, tu lâches le petit abonnement, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et nous on part. Et en plus après, on garde tous nos bien sûr pour la première ligue, donc c'est pour ça que j'ouvre uniquement les deux packs TOTS garantis. Let's go! It will take time and it will be chaotic, but that's just how things are. The road of a psychotic. Pour cette saison sur FIFA 23, je vous présente le site FIFA Coin. Vous arrivez sur le site et vous mettez les crédits FIFA 23 et là vous avez la possibilité d'acheter autant de crédits que vous voulez. Avec mon code PSYCHO, vous avez 5% de remise sur votre commande. N'hésitez pas à aller faire un tour, le lien est dans la description les potes. Pour éviter tout problème, n'hésitez pas à utiliser au plus vite vos crédits, acheter un joueur tout simplement ou utilisez-les pour ouvrir des packs. Mais ne gardez pas les crédits sur votre compte et changez votre mot de passe le plus rapidement possible. Donc les petits potes, comme je vous l'ai dit, on a déjà commencé à préparer une équipe avec tous les TOTS qu'on a packés. Donc on se souvient, on a packé dans le pack des 3 joueurs TOTS fut champion Bernardo Silva, on a packé Ben Zebaini et on a aussi packé Ito en carte bleue, d'accord. Dans les deux TOTS rouges, on a packé justement Derea et Ito, et deux TOTS qui n'étaient pas forcément garantis, c'était Thuram et Virman. C'est pour ça qu'on a uniquement deux TOTS packés ici, et non pas bah, tous les autres, parce qu'on note uniquement les TOTS non garantis packés. Voilà pourquoi on en a que deux. Donc du coup, c'est plutôt pas mal. On va récupérer un joueur du championnat des Pays-Bas, on va récupérer un joueur de la TOTS communauté. On espère surtout, juste franchement, peu importe qui, mais juste pas, s'il vous plaît, deux doublons. Comme ça, on peut les incorporer dans l'équipe, et après on finalisera l'équipe pour essayer de faire un maximum de collectifs. On n'aura pas un collectif à 100 partout, et on ira jouer avec cette équipe là pour voir un peu ce que ça donne, ces petits joueurs qui sont arrivés dans notre équipe. Et justement en boutique, les potes, bah c'est simple, on a quelques packs que je garde pour la TOTS PL bien évidemment, tu vois, genre les packs de joueurs 86, les packs de joueurs première ligue, les packs de joueurs 83, 10 joueurs 85, voilà, tout ça on garde. Mais on a ces petits TOTS Eredivisie et TOTS communauté. On peut prendre un petit moment pour regarder ensemble éventuellement ce qui pourrait être le plus intéressant, ce qui nous ferait le plus kiffer à tester en tout cas. Sur la TOTS communauté, ce qui va le plus nous faire kiffer, ça va être un Sanchez de ouf, parce qu'on a pas mal on a deux joueurs de Ligue 1 déjà dans l'équipe, donc pourquoi pas Sanchez, ça pourrait être très 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 fort. Il nous faut pas trop de milieu parce qu'on a déjà ce qu'il faut. Donc défenseur, sinon défenseur, buteur, voilà, on prendra et on sera content. Mais voilà, Sanchez est vraiment le joueur. Pourquoi pas Coman, Jesus aussi, qui font assez envie. Ça peut être sympa, c'est des postes que j'ai pas. Rodrigo, malheureusement, j'ai déjà ce poste-là. Donc voilà pourquoi je le cible pas. Donc sur la TOTS communauté, ce serait éventuellement celle-ci. Et je vais enregistrer l'image de la TOTS. Parce que là, il y a vraiment moyen de packer du lourd hein, sur l'autre TOTS aussi. Regardez, je vais vous montrer. Hop. Et sur l'autre TOTS, il y a que ces joueurs-là. C'est possible. Simon est celui qui me ferait le plus envie, mais après, à rentrer dans l'équipe, pas simple. Tadic à l'RS, assez incroyable. Bergwijn peut être vraiment cool. Gertruda peut être sympa aussi en défenseur central, ça peut être vraiment cool. Ceux qu'on aimerait le moins, bien sûr, Virman, on l'a déjà. En vrai, franchement, je vais pas être chiant. Je vais éviter Konchu et Virman. Les autres, franchement, je serais content. Ok, les deux derniers, je vais les éviter, et sinon, le reste, je prends. Allez, c'est parti pour le TOTS Eredivisie. Si on a un drapeau Pays-Bas, on peut espérer, parce que ça peut être vraiment lourd. Ça fera beaucoup de collectifs, parce que notre premier, c'est un joueur des Pays-Bas. On va voir ce que ça donne, les gars. Pack joueur TOTS Eredivisie pour rentrer dans notre équipe. Juste pas un doublon s'il vous plaît, eSport. Allez, faites-nous rêver. Pays-Bas, parfait. MC, c'est mauvais. Bon, après, voilà, la proba, elle était tellement énorme que c'était sûr. Hein. C'était bien évidemment certain, quoi. Et en plus, c'est doublon. Et en plus, c'est invendable. Aïe, 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 aïe. Ah, oh, bah, c'était... Malheureusement, bon, bah, ça fait partie du jeu. Hein. On va te donner plus souvent le moins bon. Si tu l'as déjà dans ton club, c'est un petit peu relou. On va faire le renfort 80... Je vais le balancer dans un renfort 85 ici, vite fait. Ça part. Bon, bah, Virman, voilà, hein. Malheureusement, c'était pas lui qui était forcément désiré. On va partir sur le deuxième, les potes. Drapeau brésilien, on peut vraiment kiffer, en vrai. En fait, drapeau brésilien, franchement, ça peut être une win parce que tous sont assez jouables et kiffants. Faut éviter bien sûr Derea, il faut éviter Bernardo Silva, Robertson même, on serait content, tu vois, ça rentre dans l'équipe, tu vois, enfin, vraiment, il y a vraiment moyen de packer un truc là. Allez, TOTS communauté les potes, c'est parti. Mais c'est très dur de packer les très très forts, hein, dans les garanties, bien évidemment. Anglais, ouais, pourquoi pas, bah voilà, parfait. Tavernier, on prend. Pour le collectif, c'est pas terrible, mais ça reste un joueur très sympathique, je pense, au niveau du jeu. On va pouvoir refaire des trucs avec. On va, de toute façon, essayer de lui rentrer un maximum de collectifs. Ça va pas être simple, hein. Mais voilà, pourquoi pas Bernardo? Parce qu'on l'a déjà, simplement. Parce qu'on l'a déjà. Tavernier, franchement, il y a des belles stats, hein. Franchement, solide. Ok, on prend. Ce qui est bien, c'est qu'il est anglais. Ouais, au niveau du collectif, ça pourra peut-être un peu rentrer, mais on n'aura pas un collectif fou. On va créer l'équipe ensemble. On va pas avoir un collectif fou, malheureusement. On aura le minimum, quoi. On a de la France, de l'Allemagne, des Pays-Bas
et de l'Angleterre. Donc on va cibler France-Angleterre, je pense. Déjà, est-ce que tout d'un coup, déjà France ici, c'est pas mal. Je pense Upamecano rentre pas mal au niveau du collectif avec Benza, Kefren. Ça peut être assez intéressant. Ou après, on peut mettre un Desailly. Hein. Desailly qui va peut-être faire un petit peu plus de ligne français, éventuellement. Et est-ce que Ligue 1, on a quelqu'un? Je pense que Ligue 1, on peut mettre Marquis. Et Ligue 1, c'est ce qui va être le mieux ici. Hein. Je pense que là, au niveau de la défense, je peux pas faire grand-chose de mieux que ça. Et après, ici, je pense qu'il va falloir cibler mes joueurs de United pour pouvoir faire un maximum de collectif sur Bernardo Silva, De Gea. Après, anglais, le problème, c'est que ça fait pas de call plus que ça avec Wayne. Par contre, avec Anthony, ça fait pas plus non plus. Ouais, il y a juste mon attaque qui est à 3, quoi. Ça va pas être simple. Hein. Voilà, on va y aller comme ça, les gars. On verra ce que ça donne. On va faire une tactique perso, même si je sais pas du... Tu sais quoi? Je vais juste donner des instructions, je vais pas faire de tactique perso. On va y aller comme ça. Rester derrière l'attaque, rester dans l'attaque, dans le dos de la défense. Revenir en défense, repiquer au centre... Dans la surface, remis en défense, repiqué au centre dans la surface. On va juste demander à Kefren d'éventuellement, aux deux là, rester derrière. Et puis Bernardo Silva, il va être un peu libre, voilà. On va juste faire ça, et on va aller en qualif comme ça, les gars. Ça va pas être simple, parce que je pense que tout le monde là, à l'heure actuelle, a largement une meilleure équipe que nous. On va faire un ou deux matchs, juste pour le fun. Tu vois, c'est ça qui est frustrant dans FIFA. C'est que, tu vois, tu reviens pas pendant quelques jours, tu dis, vas-y, on va faire deux SBC, on va peut-être kiffer et se faire une petite équipe sympa. Bon, tu te tapes un doublon. Derrière, ça te saoule, quoi. Tu dis, bon, bah, merde, quoi. Allez, let's go. Alors, Ederson, Gertruda, Carlos Alberto, Grealish, Vieira, Barnes, Henry, Bess. C'est pas une équipe vraiment folle avec des joueurs de prêt. Je suis pas sûr que c'est un gros joueur en vrai. L'équipe me montre pas forcément que c'est un gros joueur. Mais je peux me tromper. Hein. Ito! Dommage! Bon, il a pas une grosse frappe. Hein. J'ai vu la stat. Mais pas loin. Se fait plutôt bien. Franchement, dès que j'ai eu la balle avec Tavernier, je me suis dit, il a des stats, frérot. Essaye de dribbler. Si tu passes, tu frappes. Oh, on met une frappe. Oh là 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 là. Oh, Tavernier, ouais. Il est très complet, hein. Il est très complet, hein. Et pas d'engagement e-sport, s'il vous plaît. Merci. Ah ben si, hein. Si. Ito, let's go! Bien, mon petit! Il fait la diff sur le côté, hein. Il est remuant, hein, ce début de match. Il fait des bons appels et tout. Après, je pense qu'il manque un peu. Ouais, 83 de frappe, tu vois, il manque beaucoup de frappe. Mais en vrai, sinon, il est très complet, hein. Je pense que tu lui boostes sa frappe avec un bon style. Il a pas grand chose à envier au meilleur joueur à ce poste, hein. Bien, De Gea, meilleur gardien du jeu. Il y a Martial tout seul, hein, vraiment. C'est le coup du scorpion, là. Non, c'est la volée. Let's go! Bon, là, c'est pas mes tosses qui font la différence, mais eux, on les connaît par cœur. Hein. Eux, on les connaît par cœur, ces joueurs-là. Bon, première mi-temps, ça va. Franchement, pour l'instant, les joueurs sont pas dégueulasses. Après, c'est compliqué de s'en rendre compte par rapport au fait où le mec est pas forcément super fort. Je pense que, voilà, contre un mec qui a vraiment un petit niveau, on galérerait bien plus. Après, on peut déjà dire, hein, clairement, que Tavernier est plutôt intéressant. Le problème qu'il va y avoir avec Tavernier, c'est de le rentrer dans une équipe. Alors, oui, il y a le côté anglais, mais sinon, après, ben voilà, hein, dans son championnat, c'est mort. Donc il faut essayer de trouver une possibilité de le rentrer. Et Bernardo, dommage. Bernardo, on arrive à le trouver un petit peu, mais je le trouve pas si impactant pour l'instant. On m'a dit vraiment milieu centre offensif, c'était plutôt pas mal, mais on verra. Extérieur du pied, bien sûr. Ito, dommage. Je me sens plus à l'aise au niveau offensif, mais au niveau défensif un petit peu moins, quoi. Ah ouais. Putain, 3-2. Putain, pourtant, il est éclaté, mais bon, on joue mal. Hein. Après, bon, on a une équipe aussi avec un collectif un petit peu fuyant, ce qui peut jouer dans le truc, quoi. Aïe. Pas facile, hein. Faisons des petits changements. Bon, après, on joue aussi avec une compo qu'on connaît pas. Ça peut jouer. T'as vu le dribble qu'il fait, Bernardo? Enfin, je suis désolé, mais bon, pour moi, il est éclaté au sol, hein, pour l'instant. Il fait des bons appels, mais alors le reste... Il est invisible, hein. Les joueurs, ils reviennent comme des bombes. Voilà, bah ce Kanté qui fait les dribbles. C'est quoi? C'est n'importe quoi. Allez, Bernardo, on le fait marquer un petit but quand même. Ça passe, les gars. Pas facile, cette histoire. Comme je pensais, hein, j'ai pas trouvé Bernardo vraiment fou, parce que bah, dans un poste où il est un petit peu milieu offensif et tout, je sais pas, je l'ai pas trouvé dingo. Kefren, très bon. Tavernier, sympa. De Gea fait le taf. On va en rester un deuxième. Allez,
force un petit deuxième pour voir un peu ce que ça donne. Ok. Bon, on va peut-être pas tester du coup. Alors lui, il vient de commencer le jeu. Peut-être c'est un mec qui a un nouveau compte, ça. Ah, Bernardo a bien fait le taf là sur le côté quand même. Peut-être que ce match-là, il va se réveiller. Waouh, ok, il est fâché. Ça y est. Ah oui, d'accord. Ok. Intéressant. Ok. Ah, 94 de vitesse cette carte d'Abraham. Ouais, d'accord, ok. Je pensais pas qu'il avait autant de vitesse. Non, alors normal hein, qu'il est tenu à la course. Ok. Bon, on se prend l'égalisation. Hein. C'est un double contact, mais bon. On prendra ça. Hein. Allez, bien joué. Mais arrêtez, yeah, c'est bon, mais c'est bon! C'est trop, frère, c'est trop. T'as même plus envie de jouer, tu vois, quand c'est comme ça. C'est oufissime. Vraiment, c'est dingue. Puis il a quitté. Oh, la commu. Ah, je suis désolé, les gars, je vais arrêter là. Franchement, j'ai même plus envie de jouer. Hein. Je vous mens pas, j'ai plus tellement envie de jouer, les potes. On fera le minimum et on ira récupérer ce qu'on peut récupérer. Mais je vous dis, la vérité, c'est triste. Alors certes, l'équipe avec le collectif ne joue pas en ma faveur. Mais la communauté est dégueulasse, quoi, tu vois. Trop compliqué à s'amuser, malheureusement. On reviendra une prochaine fois. Est-ce que Silva est meilleur que Silva Fut Birthday? Moi, j'aime pas Silva de base. Je trouve nul à chier. Mais après, moi, à mon avis, les gens disent que je suis fou, donc écoute-moi pas. Mais pour moi, il est éclaté au sol. On va faire une petite pause et on revient pour faire un peu de carrière. Parce que franchement, plus envie de jouer sur Fut, comme d'hab, hein, les potes.